iye kuna ukatsa unzabe oyo nyonso yosali biso ya minene papa tozali ya kokoka te kosala biso ezali kaka ya koyeba yo malamu malamu singa ete moko moko na kati na lingomba oyo bokitisi na mokili papa tososola solo oyo miwe kosala na mokili oyo bolakisi biso po ete moto mwindango wa kobikisama papa azala na biso na yango tosengi ete bandeli ya programe tosengi yo nzambe na biso ya kati na biso ozala na biso oti na suka oyo nyonso ekosalema na esika oyo ekulobama ezala po ete ebotama na kitoko kati na biso po ete kosala na osolo ekoma kosalema na yo nzambe tokokomanaka topesi bapapa bazali liboso tikali toolata bango oyo nyonso ekomema kati na bango ezala yo tata mwana kolimosa kosema mwaso amen. Comme il est de coutume, nous allons commencer notre programme par une lecture biblique. Nous allons lire nos Bibles dans Psaume 100, versets 1 à 5. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons. Levons-nous. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient notre vie siècle, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons des notes.
mars, nous avons le droit de noter. Vous verrez également sur votre droite une exposition photo. Des photos très anciennes, des années 80 et 90, de Papa Tshilokedi lors de son séjour en Europe. Donc, ses séjours en Europe. Donc, on aura l'occasion également d'aller regarder ces photos et de poser des questions sur les différentes, leurs différentes significations. Donc, sans plus tarder, puisque nous avons déjà commencé notre programme assez tard, nous allons. Au nom du Père, qui, Papa Tshilokedi, du Fils, dit Papa Diagoumena Kanyami, et du Saint-Esprit, dit Papa Diagoumena Moutima, par la personne du Passement du Bon Kanyami. Merci, Papa Secrétaire Olivier, le fait de m'avoir donné la parole. En effet, dans le cadre de l'Union de la Jeunesse qui mobilise au sein de la paroisse de Paris-Saint-Jean, nos responsables hiérarchiques avaient jugé utile de ne pas laisser cette date extraordinaire pour nous une main sur terre. Et donc, on s'est organisé pour de sorte que demain, qui est la date, demain le 12 février, date à laquelle Papa Tshilokedi et Charles Lokelo Daniel est arrivé sur terre. Qui est Papa Tshilokedi Lokelo? Papa Tshilokedi Lokelo est le fils aîné de Papa Simon Kimbamba. Qui est Papa Simon Kimbamba? Papa Simon Kimbamba est Dieu le Saint-Esprit qui a pris chair ici-bas sur terre selon la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, le Nazaréen. Et avec son union, avec Maman Mouyou Kiawa Mazitadi, ils ont une progéniture. Cette progéniture, le 1er mai, le 12 février 1914, à Kaba Nouvelle-Jérusalem, Papa Kimbangu déclara qu'il solokéré, qu'il dit notre nation. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est le seul sur terre. Donc l'objet de notre exposé. Nous avons séquencé notre intervention sous quatre thématiques. Dans un premier temps, on va parler de la naissance. Dans un second temps, le jugement. En troisième temps, la clandestinité. Quatrième temps, la tolérance. Et enfin, le message. Voilà comment j'ai essayé de résumer mon intervention à propos de Papa Charles Daniel Tshilokedi Lokelo. Je disais donc, qui est Papa Tshilokedi? J'ai un document de référence dans lequel j'ai essayé de trouver mon argumentation. C'est le kimbanguisme. C'est un document qui a été compilé par l'un de nos révérends pasteurs ici en Europe, en la personne de Papa Madjoussi. Ce livre-là qu'il a édité, qu'il a rassemblé les interventions des différents chercheurs kimbanguistes ici en France, et il a compilé toute cette documentation-là. Lui, il a fait que le travail de compilation. Donc, c'est ici que j'ai trouvé mon argumentation concernant notre on ne va pas répéter l'intervention. Voilà. Donc, un, j'avais dit c'était la naissance. J'ai été séquencé d'une demi-heure, je vais être succinct et j'espère qu'on va honorer mon engagement en séquencé à la demi-heure de mon intervention. Qui est Papa Tshilokedi? Très souvent, j'ai toujours dit. Je travaille à travers le quantique. Moi,
prends le cantique, c'est mon document de travail. C'est mon discours, comme je dirais, politique. C'est-à-dire là, le gouverneur civil, on parle au public. Donc, quand je parle au public, je prends pour référence les cantiques. J'ai un cantique ici, j'essaie de prendre rapidement avant de pouvoir commencer mon adolescence. C'est nos frères de la chorale K, Papa Tissoké, qui en avait chanté avant leur séjour à Kaba, parce que souvent c'est souvent à Kaba. Ils avaient juste ça dernièrement, ils disaient Motama Yassi Kaya, Papa Tissoké, Apotami Pola Kimia, Ezala Namo Kibi, Dola Naye Nabo Kaka, Nade, Nuselebi Yassika, Yassika Apotami. Ça c'est le couplet. Après au bout du refrain, ils disent Mokolo ye apotamaki, masasi e betaki na mokili. Pona kolakisa, mokonzi apotami, apotami na mokili. Papa bisoloke apotami, biso na mokili, ayeli biso esengo, na mitema mokonzi apotami. Et c'est mon amitié, ma, mon côté à Botany. C'est dans la langue, l'une des langues qu'on parle au Congo, en Lingala. Je vous ai traduit ça très rapidement. Motama Yassika n'a pas dissolué, dans la licence de Pasipisolové. À Botany, na Mokili, Pona Kina Ezala. Il est sur terre pour que la paix est sur terre. Toute la Naye, na Mokaka, na Yelusélimi Yassika, Yassika à Botany. Suivons-le à la Jérusalem Nouvelle, là où il est né. Mokolo Apotami, Masase et Betaki Nabokili. Le jour qu'il est né, il y avait eu de la guerre sur terre. Pona Kolakisa, Mokonzi Apotami. C'est pour montrer effectivement qu'il est né une personnalité extraordinaire sur terre. Papa Kisoloke Apotami, il est né. C'est une joie. C'est une joie. Nous sommes dans l'allégresse. Car un Seigneur, le Seigneur est né sur terre. Voilà très succinctement le résumé de ce cantique. Donc, Papa Kisoloke, nous venons de le dire dans le cantique, un élément concernant le cantique du Bambis, c'est une chose extraordinaire que nous avons au sein de la ressource principale du Bambou, qu'on appelle l'église du Bambis, c'est que nos cantiques, c'est des cantiques inspirés. C'est-à-dire, il y a dans l'organisation spirituelle les frères ou les sœurs qui ont ce don de communiquer avec le ciel, c'est-à-dire la Trinité dans leur sacré. Quand ils fréquentent, quand ils ont les idées, il y a des frères, tout le monde vous en connaît d'ailleurs, les frères de Jésus-Christ qui ont fait le chanter de la cantine, c'est des cantines espérées. Donc, pour ne pas manger, pour ce qui concerne la naissance, pour les références, pour les prénoms, c'est dans le livre de la naissance, livre 3. C'est la page 53, c'est le chapitre 17, du premier verset jusqu'au sixième. Alors, ici, notre frère a compilé ce document, il a dit ceci. Le prénom et le nom des trois enfants de Papa Simon Kimbangu avaient été donnés par leur père lui-même. Au verset 2, depuis que les missionnaires avaient introduit le christianisme dans l'ancien royaume du Congo, les parents avaient pour coutume de donner des prénoms chrétiens à leurs enfants. Cependant, dans le cas des enfants, Papa Simon Kimbangu, le choix de leur nom et prénom n'était pas fortuit, car ils définissent la manière démonitoire, le ministère de leur père. Le premier nom de son fils, Kisolokele, selon son temps, Kisolokele Kiasonga, c'est-à-dire l'objet que je cherchais s'est révélé. Le deuxième nom est Lukelo, qui signifie décortiqué. Le prénom qu'il donne au verset 5, il dit Daniel. Il est l'homonyme de ce prophète de Dieu qui souffrit durant son ministère et qui fut sauvé grâce à la foi qu'il avait en son Dieu au moment où il fut mis à l'épreuve. Dans la fosse des lions, dont la Bible s'est référencée dans Daniel 6, du verset 17 au 24. Daniel demanda ensuite pardon à son Dieu
sac en se couvrant du cendre. À l'instar de Daniel, ces actes seront aussi accomplis par les Kimondistes. Voilà à propos du nom de Batsoke, Lugelo et ses référencés dans le livre de naissance. Maintenant, je passe au livre 5, le jugement. C'est la page 107. Conseillons ce document. C'est le livre 5. Sous mes yeux, j'ai vu mon père ressusciter des morts.
au moment où il prononçait le nom de Jésus, le juge reprend, donc de Rousse. Qui sont-ils? Et tu suis ton âge? Tu sais faire la distinction entre un mot et une personne qui dit? Papa Charles répond: oui, monsieur le juge. De Rousse dit encore, donc le juge: qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais croire que les personnes que ton père a prétendu ressusciter n'étaient pas des comédiens qui dormaient tout simplement en jouant chacun son rôle du scénario monté par lui? Papa Daniel, qui se remet au cœur, répond: monsieur le juge, je répète que je sais distinguer un mort d'une personne qui dort. Mon père a bel et bien ressuscité les morts et guéri de très nombreux malades. Au verset 14, le juge dit aussi: qui est-ce? Je te remettrai en liberté, toi, ta mère et les frères, si tu me dis la vérité que ton père a menti en reprenant des faux pour vivre. Verset 15. Pourquoi il se répond: si je vous dis des mensonges, je sais que Dieu me punira. Je maintiens sincèrement que c'est bien mon Père qui a opéré ces miracles et que ceux-ci sont réels. Ayant entendu ces paroles sorties de la bouche d'un enfant de 5 ans, le juge de Rossi pointa son doigt vers papa Simon Kimbangu et s'écria: il en est arrivé jusqu'à fanatiser ses enfants. Mais c'est la subversion généralisée. Sous le coup de la colère, il frappa la table et l'on criait qu'utiliser le grévier se renversa, admettant même une bonne partie du procès verbal de cet interrogatoire. Voilà la petite séquence concernant le tribunal. Un jeune enfant de 7 ans, courageux, vaillant, volontaire. Voilà pourquoi nous tous oublions à la nouvelle Jérusalem, papa, le bleu père qui est revenu, la personne maximum qui a décidé de confier cette journée au volontaire qui est bouddhiste. Il était enfant à 7 ans, volontaire, pour bâtir, faire la volonté de son père. Donc voilà, ça c'est la partie du jugement. Très vite, je passe au livre 7 de la bonne visibilité. Pour que je rappelle la référence, c'est la page 191. La page 191. Chapitre 19, du premier verset jusqu'au 7e. Bon, je passe cette page. Donc, chapitre 19, du 1er au 7e, mais la base sur la réponse. Papa Charles Daniel, je vais mettre dans le code pour vous parler. Papa Charles Daniel, son Kelukelo, était relégué à la police scolaire de Goma depuis le 14 octobre 1921. Il y reçut une direction scolaire destinée à lui faire oublier les croyances qu'il avait acquises de son père. Mais ce fut une peine perdue, car ils avaient toujours gardé le contact avec ce dernier, donc Massimo Kimbangu, qui en plus n'avait jamais cessé de lui rendre visite. Papa Kisomi Lukelo faisait l'objet d'une surveillance accrue. Les rapports réguliers le concernant étaient rédigés par les territoriales de Goma. À partir de 1930, il devait clair et exerça en 1933 les fonctions de commune principale de première classe à Tchéla, précisément à Matouga. Il fut ensuite affecté à Goma, puis à Banana. Par courrier adressé à son supérieur hiérarchique, il demanda à son père de lui envoyer quelques-unes des photographies afin de garder une image de lui. Sa lettre alla au bureau, de bureau en bureau, sur le cheminement administratif habituel.
ce que Dieu. Dieu le Père. Il est relégué à Goma, qui ressuscite. Je vous signale en passant que ce que vous allez dans le dit, Jésus veut dire hypocrite. Jésus veut dire hypocrite. On comment divider un monde par tradition, vous discutez de Kaya. C'est-à-dire que, on veut dire quelque chose, en fait, ne dit pas vrai. C'est une autre profil de mensonge, de blocage, de hypocrite. Mais lui, il est obéissant. Il dit, c'est lui qui dit, au verset 7, il dit, dans l'espoir de les avoir, dans les fauteuils, il réclame. Il dit, veuillez agréer, monsieur le traiteur, l'hommage de mon nom, de mon nom le plus profond. Non, l'hommage de mon nom, plus profond respect, votre inférieur soumis et obéissant. Soumis et obéissant. La soumission des enfants et des jeunes. L'obéissance aux parents. Et lui, il dit dans les 10 commandements. Les enfants, honorez votre père et votre mère. La soumission au père, c'est ce que vous avez dit. Quand nous avons son père, il choisit de plus en plus de père, mère, que vous avez son père. La soumission. Car c'est une soumission. Soumis et obéissant, Charles et Sorogéli. Pour lui, c'est pas une place. Ça aussi concerne la révélation. Il est donc de la collectivité à bout. Je passe. À l'étape livre 8. Donc, le livre 7, c'est la connexité, le livre 8, c'est la tolérance. Alors, j'en ai tiré, c'est la page 238 et 239. C'est le chapitre 32 du premier jusqu'au 18e. La tolérance. Alors, papa. Charles Daniel du Sauvé le cœur. 2 mois, jour pour jour, après le retour du corps de son père à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sa grand-mère, mon papa Charles Daniel du Sauvé le cœur, qui était le district de Tchéda, où il vivait en délégation et travaillait comme agent territorial ou sous-préfet, pour parvenir, pour venir vivre à Leopoldville. Merci Dieu. Il avait été libéré au mois de mai 1960 par le société coloniale. Aussitôt, il décidait de quitter cette région où il avait vécu 29 longues années de relégation. 29 longues années de relégation. Pour ceux qui ont posé les autres ultérieurement, je rappelle le chiffre 9, le nombre 9. 29 ans. Nous le vivons, le Baba, la Bouba, le Bamasa, le Baba, le Bouéba. Chaque lettre a une expression. Donc, si vous posez des questions, vous rappelez, vous pouvez dire pourquoi 29. Donc, il avait été libéré au mois de mai, j'en ai été dans le verset 2, 1960, par la société coloniale. Aussitôt, il décidait de quitter cette région où il avait vécu 29 longues années de relégation. C'est là-bas qu'il avait appris à parler couramment le Kikongo et le Cap, de le Moutouba. Autrement appelé Mouloutouba, langue vernaculaire utilisée dans la région côtière du Congo belge et du Congo français. Le 3 juin 1960, il est domicile avec son épouse Mama Pauline Nsalu Akanga et ses enfants dans le quartier Bombe, au numéro 22 de la rue du colonel Tchatchi. Homme de paix et de dialogue, il a refusé de son autorité pour apaiser les pressions qui étaient survenues au moment de l'accession du Congo belge à l'indépendance. Verset 6. Concrètement, au cours d'une période de troubles et agité, il partit en compagnie de M. G. Jomi et de le colonel Joseph Désiré Mobutu au camp Hardy de Tisville, donc la ville de Mazamboumou, où il réussit le dialogue à maîtriser la mutinerie de la force publique qui s'était retrouvée.
qui est avec qui est Eric, qui vivait. Je vais prendre dans le document tout à l'heure dans les, au niveau de la vidéothèque. Peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais je demande aux jeunes, ceux qui voudraient bien, j'ai la vidéo disponible, pourquoi pas que ce lui parle de ça, à Pernetti, le 23, sur la date 25 mars 1990. J'ai les images, vidéo. Pourquoi que ce lui-même parle de cette action-là. Ce qui s'est passé là-bas, le groupe a dit à Disney. Quelques jours plus tard, il s'illustra dans les séquences analogues en calmant la révolte des Dockers, au port du pont de Matadi. Quelques semaines après, il devint membre du nouveau parlement qui fut mis sur pied à l'aube de la session du Congo belge à la dépendance. Puis sénateur et enfin commissaire du peuple qui signifie député. Il assuma aussi plusieurs autres fonctions dans le secteur privé et parapublic congolais. Ce revenu lui permirent de subventionner la mission de son jeune frère, papa Joseph Dengue Lakotsimba, qui avait démissionné à la fonction publique pour se consacrer entièrement à sa nouvelle responsabilité suprême. Pour la référence du Beurre Libre de Tolérance, chapitre 23, au cours verset 3. Souffrant beaucoup de la colonne vertébrale, il fit plusieurs voyages sanitaires en Europe, notamment en Suisse. Il abandonna ses fonctions administratives et s'installa quelques années plus tard à Villefort. Au numéro 20, tu veux bien. Bon, ça c'est le livre que ça va rouler. On va aller à votre gueule. Je vais prendre l'exemple maintenant parce que c'est pas aussi. Alors, tu veux bien dans une banlieue de Bruxelles, dans son appartement du 7e étage, portant le numéro 35. C'est lors de ces pays européens qu'il installa l'église kimbonguiste dans ce continent d'où étaient venus ceux qui avaient martyrisé son père. Au verset 12, élu député par sa puissance, il détermina le destin qui allait bientôt s'appeler la plus grande du Congo de Léopoldville. Ça, je vous prends, je vais fermer. Au verset 12, écoutez bien. Donc, chapitre 33, 32, verset 12. Élu député par sa puissance, il détermina le destin du pays qui allait bientôt s'appeler la République du Congo. J'ai un petit témoignage là-dessus, je vais prendre la fermée. Je regardais un document sonore ou visuel. Il y a 2 ans, lors de la montée à la même chose à Parma, le groupe de volontaires de police, ils avaient fait un historique de quoi qu'ils sont occupés. Et la porte-parole du groupe de volontaires de police avait dit ceci. Que Papa Issolo Kéré, quand il est parti de la délégation qui a conduit donc les Kasavubu, les Lumumba, en arrivant en Occident, avant d'aller en Europe, Maman Mouilou Kiawanga l'avait appelé en Kamba. Il avait dit, mon fils, tu vas en Belgique, il faut que tu rappelles au roi des Belges ce qu'ils t'ont entendu avec votre père. Et papa en formation là-bas. Non, il dit, bon, c'est quoi tu me dis, je crois. D'après la réponse que j'avais eue, c'est lui qui est là, le document. Papa qui se loquait en formation là-bas, à un moment donné, comme il est sorti majeur, il faisait une promotion, et le roi des Belges avait fait appel au récipiendaire du diplôme. Et cette circonstance avait permis de rencontrer le roi des Belges. Et cela a venu rappeler l'acte, le contrat, l'accord. Sorti minoritaire au premier tour des élections. Ayant eu auparavant
papa, à cause de la sympathie donc au kimbondisme, donc Kasabubu était sympathisant du kimbondisme. Et de la ferveur qu'il avait montré lors du retour du corps de leur père à Léopoldville, la Tunisie, sa grandeur, papa Charles Daniel de Zorilukelo, avait écrit un petit mot suivant, qu'il fut circulé parmi les députés qui, pourtant, appartenaient à des partis politiques adverses à la BACO et qui avaient aussi présenté leur propre candidat à cette élection. Le mot fut le suivant, au verset 16. Veuillez voter pour M. Kasabubu. Papa qui s'est occupé, il fait glisser un petit mot aux députés de l'opposition à Abaco. Veuillez voter pour M. Kasabubu. Au verset 17, ce petit mot anodin circula parmi les députés qui ont pris tous connaissance sans y accorder une attention particulière. Et au verset 18, à la fin du deuxième tour, les députés, saisis par l'esprit divin de Dieu le Père, papa qui sera que le loup qu'est l'eau, votèrent tous pour le candidat Kasabubu, qui devait ainsi, à la surprise générale, le premier président élu de la future République du Congo, Léopoldville, avec un parti pourtant minoritaire au Parlement, Mbazangungu. Dernièrement, le 3 octobre, papa Simon Dumont. Ah! Kabila! Kapani! Nga, puisque on va me pousser, pour aller plus Simon, puis le matin, mon néné, mon salas, puisque on va me pousser, vota à qui m'a mon télé, télé! Vota à qui m'a mon vauvelé, vauvelé! Quand il m'a dit, oui, ça y est, l'aime, qui a honte, son nom. Si Dieu a dit, il a dit. Donc voilà, ça c'était le. Je crois que le temps qui m'était imparti, je crois qu'il va terme. Je me suis arrêté à tolérance pour le message. Il y en a plusieurs. On va en partager tous ensemble. On regarde tout à l'heure la diffusion des différents messages que j'ai mis sur la vidéo. J'en ai ainsi terminé au nom du Père. Qui Papa qui s'est occupé de du Fils dit Papa Diakoubé Moutima. De l'humain à qui on a dit, et vous esprit, papa, directeur d'un petit moment, j'ai bien souvent appelé, ne cesse toutes les pensées, car c'est lui, papa, c'est mon nom, qui a dit, l'esprit de la vie. Je vous en remercie. Son poste au sein du gouvernement.
l'impact qu'elle a eu dans la construction de l'Église en Europe. Mais nous avons ici des personnes qui ont eu la chance de pouvoir vivre, écouter et regarder Papa Simon Vivant et de la Papa Sophie de la Vivant. Donc sans plus tarder, nous allons demander aux personnes qui ont été prévues pour nous parler donc du séjour de Papa Sophie en Europe, de passer devant et de faire part de leur expérience. Donc sans plus tarder, nous allons appeler Papa Pasteur en Europe, qui va être le premier intervenant pour la séquence de témoignage. Merci. Ça, c'est un événement que j'ai vu.
ma tête. Il dit, nous irons prier à ma tête. Et quand je verrai que l'heure approche, je demanderai à papa. Donc son chauffeur, c'était notre papa. Papa Jean-Luc. Donc il dit, quand nous serons là-bas, je pourrais demander à un moment donné, je vais vous donner une voiture pour qu'on vous dépose au beach. Donc nous sommes allés à ma tête. On a prié le dimanche. Mais il m'avait dit, quand tu arriveras à ton travail lundi, puisque demain c'est dimanche, on prie, le soir vous rentrez, vous dormez, le lendemain matin, quand tu iras au travail, va faire une lettre, écrire une lettre, demande une bourse pour aller en France. Hein, tu vas aller en Europe, puisque maman voudrait que vous alliez en Europe, elle va faire la demande lundi en rentrant à Brasilia. Bon, nous sommes allés prier à ma tête, au retour de ma tête. Papa nous a mis dans sa voiture, allez déposer pour que nous envoyions maman au bus. On nous a déposé au bus. Nous sommes partis. Le lendemain, lundi, j'arrive à mon travail. Comme je savais comment envie de lui faire la demande, j'écris une lettre que j'adresse au ministre pour demander une couche au cabinet. J'ai fait une lettre. Je voulais avoir une bourse. Et j'ai remis cette lettre au directeur du cabinet. Puisque le ministre n'était pas encore arrivé. Quand le directeur de cabinet a vu la lettre, il dit, ah, mais qu'est-ce que ça a pris dans l'Europe? J'ai dit, ah, moi, j'aimerais bien. Alors le directeur de cabinet me dit, bon, je vais en parler au ministre quand il sera là. Je vais lui présenter la lettre. Vers 11h, le ministre arrive, le directeur doit le voir, il regarde, il dit, Monsieur Moïse a fait cette lettre à son grand-père. Le ministre regarde. Il n'a même pas hésité. Il dit, ah, appelez-le. En attendant, il met déjà à bord. Il met son avis à bord. Donc, on devait m'envoyer une bourse. On m'appelle, je vais le voir. Il dit, où est-ce que tu vas aller? Moi, je dis, mais moi, je voudrais aller en France. Il dit, mon petit frère va au Canada. Mais toi, tu ne veux pas aller au Canada. Je dis, non, je voudrais aller en France. Quelques secondes sont passées, moi je l'ai rappelé.
Tu ne crois pas. Il dit, je t'écoute. Je vous écoute. Je ne me trompe pas maintenant. Dois-je partir ou pas? Papa me dit, je viens de vérifier. Ça, c'est la parole de papa de l'État. Je viens de vérifier. Je n'ai pas vu ta mère. Je viens de faire une vérification à l'instant, mais je n'ai pas vu ta mère. Donc, elle n'est pas décédée. Moi, je dis non, papa. Elle est bien décédée parce que son petit frère, il vient de m'appeler. Il vient de m'appeler au téléphone. Papa dit, bon. D'accord, vous voulez venir quand? Moi, je dis, papa, je ne peux venir là. Je ne peux pas. Il me dit, au lieu d'aller directement à Brazzaville, ne va pas à Plaza, mais viens. Dieu ne peut pas laisser comme ça, et puis ce n'est qu'après que tu pourras aller à Plaza. Mais quand tu viendras, le jour que tu prendras l'avion, tu seras pas de partir, vous allez prier avec ta femme, vous allez prier, mais tu ne salueras personne en chemin. Quand tu sortiras de chez toi, jusqu'au moment où tu me vois, à ce moment-là, tu vas me saluer. Mais tu ne salues personne. Moi, je vais m'arranger quand j'arriverai à la Rora Voici, quand on arrive à l'Orsay. On a toutes les chances de rencontrer des gens qu'on connaît. Mais curieusement, je n'ai rencontré aucune connaissance et j'ai pris la France. Il t'a tout donné. Ce que tu m'avais demandé,
tu as répété ça à papa, mais il t'a tout donné. Quand tu arriveras à Paris, dès que tu arrives, le lendemain, j'ai quitté Kinshasa un mardi. On est arrivé chez moi le matin. Il m'a dit, dès que tu arrives, tu cherches du travail, tu trouveras du travail. Donc le mardi de la nuit, quand j'ai quitté, le mercredi, j'arrive ici. Ma femme vient me chercher à l'aéroport. Arrivé à la maison, vers les 10 heures, j'ai commencé à faire une lettre. J'ai fait une lettre. À qui je vais écrire? Je ne sais pas. Là, vraiment, c'est un démarrage que j'ai fait. Je ne sais pas. Je me rappelle l'inspiration. On ne m'a pas parlé, je n'ai pas entendu de voix. Mais tout de suite, je me suis dit, je vais écrire à Pierre Mauvois, qui était le premier ministre, Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai fait la lettre. J'ai fait la lettre à Pierre Mauvois, j'ai écrit. J'ai écrit la lettre, donc, le mercredi, un peu avant le ministère, vers les 10h15. La poste, dans la poste, la poste n'est pas là. Mais quand j'ai mon panneau dans la poste, le mercredi. Le jeudi matin, au courrier, vers les 10h11, je reçois une lettre de réponse du Premier ministre. Le jeudi, et je l'ai dit dans l'église. Le mercredi, j'ai posté la lettre à Tessa Mouro. Le jeudi, je reçois une lettre avec une enveloppe du Premier ministre. Mais c'est bien écrit, Monsieur Mauro Moïse, c'est 6 salaires, c'est libère de l'ordre pour t'emmener. Alors, je ne sais pas. Pardon. À la fin, je dis le jeudi. Je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, je tremblais. Je dis, mais papa est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai ouvert la lettre. Et dans l'enveloppe, il n'y avait aucune correspondance. Sinon, deux feuilles où on avait mis les adresses du gouvernement français. Tous les ministres français. Donc, on avait mis tout le gouvernement français avec les adresses des différents ministères et les adresses privées des ministres. Les adresses privées des ministres. Et c'était deux lettres, ces deux feuilles qui étaient dans l'enveloppe. Quand j'ai ouvert, j'ai vu ce mal. Je dis, mais c'est pas possible. Aucune correspondance me concernant. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit à ma femme, prions. On a prié. Et le lendemain, plutôt, tout de suite après, j'ai dit je dois écrire à un des ministères. Alors, là encore, j'ai inspiré. Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Allez, je vais écrire au ministère des Transports. Comme au Congo, avant de travailler au ministère des Transports, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture, plutôt à la Direction Générale de l'Agriculture. J'ai écrit au ministère de l'Agriculture, deux ministères, le jeudi. C'était toujours avant minuit. Je suis allé déposer les lettres à la poste, le jeudi. Le vendredi, avant minuit, je reçois deux réponses. Et le ministère des Transports et le ministère de l'Agriculture. Encore une fois, mes frères, c'est quelque chose que j'ai qui a dépassé mon entendement. Je dis, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai opté, finalement, dans les deux, pour me proposer des postes. Et finalement, j'ai accepté d'aller travailler au ministère des Transports où je suis retraité. C'est pour dire que les papas que nous avons, que nous connaissons, ou que nous avons vu, que nous connaissons, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Parce que à moi, je quitte Kinshasa le mardi matin. Le mercredi, j'arrive ici. Je suis l'instruction de papa, et Daniela m'avait dit, le jeudi, une lettre au ministère, au Premier ministre, je reçois la réponse le lendemain. Une lettre au ministère, je reçois une réponse le surlendemain, et finalement, j'ai travaillé au ministère. Bon, alors là, c'était une fois. Là, j'ai voulu parler aussi de papa Daniela. Il me reste à peu près 15 minutes. Mais j'ai un événement, un témoignage aussi, puisque nous parlons de Papa Kisolokele. Si nous savons que Papa Kisolokele nous a quittés le 17 mars 1992, le 12 octobre
Alors j'avais rendez-vous à la cité universitaire. Là où vous habitez, là. Bon. Thank you.